mieux donc. Seigneur les gouverneurs, comment allez-vous? Ça va bien. Écoutez, vous venez soirée de lundi soir, tout va bien. Je vous appelle car j'ai eu un petit souci avec un communiqué de presse du gouvernement. Dites-moi. Il y a un communiqué qui parle d'un médecin qui s'est fait planter, des prises d'otages et tout ça. Ça, attendez. Les 11 septembre au matin, citoyens, citoyennes, à la soirée du jeudi, une attaque au couteau, une prise d'otage. Je vous rappelle que nous avons signé une amnistie. Oh, rien n'est jamais arrivé. Faites-moi disparaître ces communiqués, pour favor. C'est oui, les papiers que nous avons signés. Je l'ai déjà supprimé. Pas de soucis, je vous souhaite une bonne soirée, Seigneur Gouverneur. À bientôt. Bonne soirée, à bientôt. Ouais, mais ouais, les flics sont déjà là avant nous. Ils sont où? Vas-y. Ils sont un peu autour. Un peu autour? Ouais, ils surveillent de partout déjà, je sais pas comment. Vous donc on va délocaliser. On va aller au du Mont Chiliad, t'as un 4x4? J'ai un 4x4, c'est possible, et si tu préfères les mots du Mont Chiliad. Après, si la police vient ici, on s'en occupe aussi. Bah après, on a rien à se reprocher, entre guillemets, on peut juste parler. Ça fait chier de taper sur les flics avant de discuter. On peut rester ici, moi je m'en fous. Comme tu veux, j'y suis, la voiture à côté, c'est moi. Ouais, je te vois. Ouais, bah viens. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, je croyais que c'était deux d'échecs. Je commence à en voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, et tout le monde vient. Sécurité. Ah oui, sécurité. C'est les états qui font la sécu. Ouais, puis on les aide. Ah ouais, d'accord, donc à deux gangs. Oh, mais c'est pas mal ça, la sécu. Bref, c'est vous qui vous dites si vous faites la sécu, je m'en fous. Vous préférez haut du Mont Chiliad? On peut rester ici, sinon. On a rien à se reprocher dans tous les cas. Hein. T'as des gars prêts à intervenir? J'ai toujours des gars prêts à intervenir. S'il y a un problème, moi ça sort de partout et ça c'est mis à canader. Okay, on va rester ici. Pas nous que ça va inquiéter, hein, si vous voulez le Mont Chiliad. Oh, moi si vous voulez, je m'en fous. C'est juste que c'est loin. Ah bah moi aussi. Mais juste que tout le monde soit conscient qu'il n'y a pas les mêmes règles qu'ici, quoi. C'est ça. Ici, ça m'empêche de tuer quelqu'un. Au haut du Mont Chiliad, je fais bien, comme ça je peux tuer quelqu'un. Et j'ai d'autres options. T'as l'intention de tuer quelqu'un? J'envisage. Bah après, on peut s'arranger. J'avoue que c'est bien parti pour avoir envie de buter du vert et du jaune. Ah, on a une couleur en commun. On le fait. Je crois qu'on a une couleur en commun avec les deux groupes présents. Ah, c'est ça. C'est ça. Ok, bon bah vas-y, on va rester là. Et puis s'il y a les flics, on leur dira qu'on fait que discuter. Et puis voilà. Et puis si on n'a pas compris, et ben top. Par contre, ne vous masquez pas du coup, les gars, parce que c'est encore un motif d'arrêt à la con. Ah, bah allez. Allez hop, à l'intérieur. Allez, tout à l'intérieur. Hop là, prospère du plaboum, on est bien garé, on est prêt à s'écasser. Nickel. Oh là là. De toute façon, celui qui tire ici, je crois qu'il y a des règles bien précises. Hein. Non, mais déjà, il y avait des règles bien précises à qui c'est qui faisait en dessous des 40% des blanchiments. Ouais, mais c'est bon. Pas faux. C'est pas le tout, je vous dirai ça après. Enfin, pas ah, c'est pas le tout. Ah putain, je suis pas prêt. Non. Moi déjà, j'ai eu l'occasion d'avoir des informations intéressantes ce soir. Ah ouais? Du genre? C'est un groupe criminel et parle à la presse, et parle beaucoup, et parle quand il ne s'agit pas d'eux. Des groupes qui parlent à la presse? Non, mais c'est pas un souci, moi j'ai pas à la presse beaucoup. J'ai fait une interview tout à l'heure. Ah ouais? Ah bon, oui, c'est important. Ça travaille l'image. Salut. Comment allez-vous, monsieur Miguel? J'ai souhait fâché. Ah. J'ai appris quelque chose qui me troublait beaucoup. Et quoi donc? Bonjour, monsieur. Bonsoir. C'est bonsoir de faire notre place pour que tout le monde puisse. Il manque Pablo et pas d'y pisser. Alors, fait une belle ronde. Il doit pisser du côté des altistes. Miguel, c'est toi qui as un hélico dessus? Ouais. Ok. Ouais, c'est bon, c'est Mano. S'il faut, je les fais mettre plus loin. Ah, salut Pablo. Yo mec. Bah, allez, je vous écoute. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je crois que je vais commencer. Je crois que ça fait quelques semaines maintenant que le conseil des 6 n'a pas eu lieu, si ma mémoire. Fin juillet, non? Je pense que, à l'initiative et à la demande de pas mal de groupes, il était important de refaire cette réunion pour discuter de certains points, clarifier et éventuellement questionner. Je crois que certaines tensions actuelles méritent d'avoir quelques discussions. Notamment, bien évidemment, au sujet du blanchiment. Et cette règle des 40% qui était dictée courant du mois de juillet. Peut-être que certains seraient peut-être plus à même de nous en parler, de nous dire ce qui se passe. Avant que nous développions davantage.
Je vais juste commencer par dire quelques trucs. J'ai une personne des EMS qui m'a appelé pour savoir pourquoi on se réunissait encore ce soir. Oui, j'ai eu la même chose, monsieur. La Ténor. Même chose. Malheureusement, cette personne m'a donné une couleur. Qui a balancé ? Qui ? Je vous laisse dire, les gars, parce qu'on va dire que j'en veux un peu trop, sinon. J'ai entendu les jaunes, mais... Personnellement, j'en ai parlé à personne. C'est pareil, Diouf, c'est la même couleur. Moi, il m'a pas donné de couleur. Il m'a demandé s'il y avait une réunion, j'ai nié, c'est tout. Ok. Et pour le temps, Payne n'est pas là. C'est bien ça, le problème. Elle est jolie, celle-là. On a enlevé le mauvais. Elle est dure, celle-là. Exactement. On va considérer que certains parlent fort aux EMS, éventuellement. C'est jamais oh, c'est parce qu'on m'a dit. C'est comme les prisonniers qui donnent des informations à la presse ou à la police. N'est-ce pas, Seigneur Diouf ? On parle de quoi, monsieur Mégol ? Le fait que vous êtes allé voir la police pour raconter que vos peines de prison sont plus longues que les nôtres et que ce n'est pas normal. La presse ou la police ? À qui avez-vous fait les... Ah ouais, j'avais fait ce reproche, en effet. Est-ce que vous pouvez pas vous occuper de votre cul, plutôt ? Bah, à partir du moment où ça attaque mon porte-monnaie, ça me regarde fort. Alors, démerdez-vous avec le procureur et pas avec la presse. Ben, j'ai pas demandé de rendez-vous avec la presse. C'est eux qui demandent des rendez-vous. Et donc vous, vous donnez des informations sur la Manon ? Non. Moi, je parle pas forcément des procureurs qui me la mettent à l'envers. Mais vous citez quand même la Manon. Ça peut être un exemple comme un autre. Ça ne vous change rien, vous. Si, ça change que ça me met en colère. Mon business, c'est le mien. On ne me cite pas. On ne me cite pas. J'ai vu la presse tout à l'heure pour votre histoire, j'ai cité personne. Je n'ai pas cité les business de l'un, de l'autre, de vos fonctionnements. J'avais besoin de discuter avec la presse, un article va sortir, j'ai parlé de moi et puis c'est tout. Moi j'ai pas forcément parlé d'un groupe mais d'une personne. Enfin, McGregor n'a pas donné ton nom. Bah je sais bien. Manque de peau, j'en avais parlé qu'à toi. Bah ça changera, Pablo. Après que tu sois jaloux parce que je couche 10 keufs et que je prends que 2 heures de fédé, ça te regarde. Ah ouais ? Mais que tu le fasses tourner en ville, ça commence à me regarder. Par rapport à quoi ? Bah, par rapport à chacun, j'ai ses merdes, autant que... Tu prends temps, etc., ça te regarde, point. Tu fais tes trucs, ok, c'est bien, je fais mes trucs. Moi je vais pas dire, oh t'as vu, enfin je vais pas aller voir les Lost en disant, oh regarde, les Verts ils ont fait ça. Je m'en bats les couilles, tu fais tes trucs, je fais mes trucs, point. Pas ça. Bah dans ce cas, comment ça se fait que le Weasel News vient m'en parler ? Bah parce que pour moi il y avait un problème au niveau de la justice. Ouais, bah dans ce cas, tu vises le procureur ou la justice, justement. Ah la presse est une force de frappe qui peut aussi faire tomber la justice de mon point de vue. Donc c'est ce que je dis, vise la justice, ne vise pas la Mano. Bien sûr. C'est mon but. On s'écarte un peu du sujet. Donc les Vagos, c'est pas vous. Non, en tout cas, c'est pas moi personnellement. Ce n'est pas vous non plus qui faisiez du blanchiment à 25% pour des petits groupes ? On a blanchi à 25% pour la ruche, oui. Et moi, ce que j'ai pas compris, c'est que vous disiez que les Verts et moi-même blanchissions des groupes à moins de 40%. Au mépris des règles des 40%. Alors je parle pour moi, mais j'imagine également pour les Verts, c'est pareil. Moi personnellement, quand on m'a dit ça, je ne l'ai pas cru, parce que j'ai toujours blanchi tout le monde à 40. Et surtout, je n'ai pas compris que vous, là, avec lesquels j'ai plutôt de bonnes relations de business, me fassiez ce tacle. Pas vraiment ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, ça posait problème à vos business respectifs de faire des blanchiments à 40%. Ouais, mais c'est leur problème. Ça vous oblige de baisser vos tarifs à la vente pour faire du blanchiment à 40. J'ai jamais dit que vous le faisiez. J'ai rien compris et je m'en bats les couilles. La question est pourquoi vous blanchissez un petit groupe à 25% tout en sachant qu'on a dit qu'il y en a en dessous des 40 à la dernière réunion de 6. Parce que pour moi, la rue, c'était pas un petit groupe, c'était juste des personnes qui travaillaient indépendamment pour vendre de la drogue dans la rue. Non. Je pose la question non. Des merdes, des bordels, les Vagos. Vous êtes un groupe de 6 et vous mentez aux autres groupes de 6. La sanction tombe immédiatement. Les fanfreluches et les conneries,
ça commence à suffire. Bad bouche. Si personne ici n'a les couilles de punir les vagos, je le fais. Un deal est un deal, on ne revient jamais sur un business. On donne sa parole, on le fait. Est-ce qu'on a un problème, Ice? C'est pareil, c'est Zul, mais non, y a pas de problème. Ah, Zul, je sais jamais chez vous. Il est où, lui? Ice, là, il est toujours pas en vacances. Normalement, il va revenir mercredi. D'après ce qu'il nous a dit. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? Bah là, à l'heure actuelle, je pense que la ruche, on va la passer directement à 40%. Ou plus. Même voire plus. Le problème, c'est que si tu les passes déjà mais... plus de 40, ils vont rater de bosser, tout simplement. Je sais, c'est ça le problème. Il faut que ça bosse. Et puis, c'est pas la faute à la ruche, hein, c'est la faute à vous. La ruche, vous avez dit 25%, il dit ok, on prend. C'est vous qui avez baissé le taux. On parle de la ruche, mais j'aimerais bien poser la question également sur les ballasts. Oh putain. Est-ce que c'est les... Bah, mets-toi devant qui... moi. Parce que moi, à un moment donné, je vais commencer à tirer à tout va. Oui, monsieur Miguel. Moi, je me pose la question sur les ballasts. Est-ce que également vous blanchissez les ballasts? Et si oui, à quel taux? Non, les ballasts, on les blanchit pas parce qu'ils sont jamais venus ici, en fait. Les ballasts, on les a jamais vus. À part pour les sacs, justement, depuis qu'ils ont commencé leur... depuis qu'ils ne font plus de sacs, on les voit plus du tout. Hank, c'est toi les ballasts? Non. Non, c'est pas possible. Bah, des mecs qui blanchissent les ballasts. Non, ça fait un moment qu'on les a pas vus. Non, on leur a proposé 40. On leur a proposé 40%, mais le truc, c'est que les ballasts, moi, ce qu'ils m'ont dit, c'est qu'ils gardaient leur salle en attendant qu'il y ait une réunion pour que les tarots changent en ville parce qu'ils veulent pas blanchir à 40. Mais à part la ruche, il y a aucun autre petit groupe qu'on aurait pu faire à moins de 40%. Il se vide quand même pas mal des instants. Oui. On doit appeler un médecin. Poser une question. Ça pose un souci ce qui vient de se passer avec le Vagos là? Un peu. Moi j'ai envie de dire à partir du moment où il a cassé la règle des 40% et que Miguel a cassé la règle de ne pas tirer au unicorn, on va dire un partout, balle au centre. Une fois, je suis d'accord avec Diouf. La règle des on tire pas ici, c'est moi qui l'ai inventée. Mmh. Et j'ai décidé des seuls lieux de neutralité simplement parce que j'avais envie des vieux hippers d'ici. La règle de neutralité, mon cul. Les 20 états, vous foutez dessus sur la gueule au milieu du Black Cat. Les Vagos et Los, vous tirez dessus quand il faut. Et Little, c'est où les... Vous aimez bien envoyer vos voitures dans l'Audi Golf. Résultat, avec des natalités, qu'est-ce que ça en bat les couilles? À partir du moment où une personne manque au deal qui est évacué entre les 6 personnes ici, avec des natalités, ça fiche plus. Si les Vagos baissent les 5 autres, il n'y a pas d'aide de natalité ici. Ils subissent les conséquences, point. On n'est pas les SPD, il ne va pas y avoir un blâme. Un blâme, un deuxième blâme, un troisième blâme, et peut-être après on se fâche. J'ai tout de même une petite question sur le blanchiment. Est-ce que, à l'heure actuelle, les blanchisseurs veulent rester sur la règle des 40%? Car même ouais. S'il fallait la respecter, je voudrais quand même qu'on réouvre cette discussion. Monsieur Diouf, quelle est votre position là-dessus? Moi, je pense que le 40% est légèrement élevé. Et je pense que revoir à 30%, ce serait... plutôt pas mal dans la circonstance actuelle, parce que je pense que l'économie de la ville a bougé depuis hein, le moment où on a mis en place cette règle-là. Bah, c'est sûr que quand tu gagnes plus 4 millions par semaine, c'est un peu plus chiant, quoi. Ouais, 3,5 millions, s'il te plaît. Disons moi, que... on reste à 40. Vous faites comme d'habitude, vous blanchissez vos petites mains à 20, ou 15, ou 0, vous faites comme vous voulez. Mais on reste à 40. Non, on a mis tout le monde à 40 en ce moment. Si vous voulez arnaquer vos petites mains, vous faites comme vous voulez. Ça marche. Les groupes sont à 40. J'aimerais bien quand même savoir qui c'est qui blanchit les ballasts. C'est pas vous? Non, on blanchit personne. Ah bon? Ah non, ça aurait pu être nous, mais ils veulent pas. J'ai eu une conversation intéressante avec le monsieur au sac sur la tête, là. Monsieur Nicolas, je crois. Qui demandait comment trouver le filon pour sauter le 40%. J'imagine que... aujourd'hui, il l'était blanchi, mais si vous me dites que personne ne l'est blanchi, il doit avoir une sacrée montagne d'or de billets d'or. Je donne ma parole. Et quand je donne ma parole dans un business, je m'y tire. Peu importe ce qu'elle contient. Quand je donne un deal, je respecte. Et je ne reviens jamais sur les deals. La discussion de revoir ou pas les 40%, si vous décidez ce soir, tous, que chaque blanchisseur... fait son business et qu'il n'y a plus de règles, il n'y a plus de règles. Mais
Une fois que les deals est implanté, on ne baisse pas ces deals. Vous avez dit 40%. Nous avons donc, nous, la Mano, il y a à ce moment-là, en juin, arrêté de blanchir de petites mains et groupes. Terminé. Par contre, ça veut dire qu'il y a bien quelqu'un qui blanchit les ballasts. Et si c'est aucun des blanchisseurs, je sens la baise arriver. LS. Ouais, bah nous, tout à temps, on fait notre petit hein. Il n'y a personne qui vient nous dater des armes, donc bon. On va faire notre petit travail de notre côté. Hein. Donc, les balades, on les voit pas pâter. Ouais. On les balades, les dédates n'importe qui. En même temps, vous ne vengez pas votre ancien chef, donc à un moment donné. Ouais, t'es pas faux, ouais. Au contraire, d'après ce qu'on m'a dit, limite, vous faites des cadeaux au vert. C'est génial. Oh, bah, tu demanderas à Ethan, ouais. Il a préféré partir que voilà, mais bon. T'as une toute, ouais. Ah, donc il est mort. On va pas parler de toi qui tombe pas là, ouais. Ah, est-ce qu'il a pas fait de la merde parce qu'il savait qu'il serait pas là? Est-ce qu'on fait pas venir les balas? Pour savoir qui est blanchi à combien? C'est possible. Je vous propose, mais. Ah, c'est quand même quelque chose qui me taraude. C'est une bonne idée, ouais. Ouais, très bonne idée, je pense. Moi, vas-y, Pablo. J'ai rien à craindre. Ouais, bon, non plus. Et ça se trouve, personne n'est blanchi, mais... Ouais, ça se trouve, ils gardent tout pour eux, hein. Mais dans ce cas-là, putain, il faut qu'on aille chez eux pour récupérer un peu des pognons. Il y a une mine d'or là-bas, oui. Il y a moyen de faire un braco là-bas. Pablo, ça capte pas? Je sais pas, ils sont peut-être pas éveillés. Mes petits oiseaux, vous m'entendez? Oui. Trouvez-moi le chef des balas ou un second des balas, et puis vous lui demandez gentiment de vous suivre, vous nous le déposez, on a des questions à lui poser. On y va. Merci. Ça va sinon vous les Vagos? 11-07. Bah ça allait plutôt bien. Jusqu'à 2-3 jours. Sinon, le business portait plutôt bien. Moi j'ai entendu dire que vous aviez dit à des civils que les Lust étaient méchants parce qu'ils voulaient pas discuter avec vous. On entend tout au Black Cat, c'est fou. Bah c'est parce qu'au Black Cat ça parle beaucoup effectivement. Ouais. Nous on fait notre travail tranquille, notre business. Parfois, il y a des gens qui arrivent en voiture noire pour nous drive-by. C'est un 4x4. Ça dure 10 secondes et après, il n'y a plus personne. C'est sûr que vous n'êtes pas difficile à coucher, les gars. Ah ouais, bon. Vous partez très très vite derrière. Hein. Bah, on a fini notre taf. On rentre dans un coup, on recharge et on repart. Ouais. Pas compliqué. Je pense qu'on a dû se croiser sans se croiser toute l'après-midi, je pense, hier ou avant-hier. Bah, c'est sûr que quand tu restes chez toi... Tu vas pas trop me voir. Bah, je sais pas, hier, il y avait personne, il y avait des gens chez vous. Ça dépend, si tu viens à 3h du matin, il y a pas grand monde, on dort des fois. Non, dans l'après-midi. Ouais. Non, dans l'après-midi, il y a pas de... Jusqu'à 17h30. De 13h à 17h30, on était devant chez toi, je sais pas si tu nous as vus. 2-4-4 marques qui a rafalé tes mecs. C'est... Ouais, d'accord. À 13h, oui, je veux bien, 13h, 14h, oui, d'accord, 14h, oui, je veux bien, ouais. Mais à partir de 16h, ma gueule, il y avait plus personne. Tu m'as bien avant. Moi j'ai entendu ma gueule. Un numéro 8 qui m'appelle ma gueule, putain. Je sais pas. Si tu tires mes lumières. Après on va dire juste que moi je suis pointilleux, mais... Non t'inquiète, gros. Moi je sais que t'es un mec bien. Je vais pas tirer ici, je respecte encore le lieu neutre. Et ton groupe a déjà été puni. C'est un message pour moi, Hank. Non. Parce que si c'est un message à donner, il faut le dire maintenant, c'est mieux. Ouais, non, t'as fait le travail, moi c'est bon. Pas de soucis. Est-ce que quelqu'un a un souci avec ce que j'ai fait là? Okay. Moi j'avais dit mon avis. Quelqu'un qui va t'accueillir devant. Donc Hank, pas de problème là-dessus. Non, on pourra en reparler si tu veux. Lève. Pas de problème. Attends. Non plus. Pas de soucis. Tout à l'heure c'est où? Ouais, c'est lui quand c'est... Tout est où, on va dire ça. D'où? Vas-y. Je t'envoie le destination. C'est câble. S'il y a un problème, il faudrait parler maintenant, on en parle. On en parlait plus après. Qui paye la facture pour nettoyer la carpette, ouais. Bah c'est vous. D'accord, ok. Vous faites votre business tranquillement de votre côté, vous êtes copayé? Bah, pas autant que toi, ouais. Comment ça, pas autant? Chercher le médecin. En prenant 20%, ouais. 20%, ça doit être très honnête, je trouve. Ouais. De toute façon, vous venez pas chez nous, donc... Vous venez pas chez nous non plus, donc voilà. Copain. Bah, moi, si je dois commander 2 semaines à l'avance, ça commence à me saouler, tu vois. Faudrait des dalles que tu commandes, ouais. Bah... Moi, je travaille avec des professionnels.
Bah parfait, alors on t'entend bien. Oui. Bah voilà, il va très bien. On va faire aller. Du coup, faut tout recommencer, il a rien entendu. Bonsoir. Ah, faisons de la place aux balas. Bonjour les balas. Bonsoir. Dis pas, excusez-moi. On avait quelques questions à vous poser. Que puis-je pour vous? On a une question un peu centrale, on se demande ce que vous foutez de votre pognon. Ben, sans vouloir vous offenser, monsieur Miguel, on vous a acheté 1 million d'armes dans la semaine. Eh, c'est vrai. Ah. Mais ouais. À part ça, vous blanchissez où? On blanchit pas, tout ce qu'on a pour l'instant, on a blanchi avec l'achat des armes en fait. Bon ben, impeccable. Ah bah allez, ouais. On a la question. Ah ben, Issam. Voilà. Je blanchis pas l'argent sale. Il ne blanchit pas. On vérifie quand même les dires. J'aime bien vérifier les chiffres exacts. C'est environ ça, hein, monsieur. J'ai pas les chiffres en tête, je suis pas le comptable. Il va vérifier, vous inquiétez donc, pas. Effectivement, il y a une commande le 11, donc il y a deux jours, de 600 000. C'est un million. En argent. 600 000. Et dans la semaine dernière, d'avant, je crois, il y avait aussi, pas dans le week-end d'avant ou un truc comme ça, il y avait un 500 000, autre... effectivement. Mais elle date du 6. Ouais. Ah. Bon, pardon, je peux. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions à poser au balas? Pourquoi vous faites rien, les gars? Je comprends pas. Vous blanchissez pas? Vous faites plus de sacs? Vous faites quoi de vos journées? Des CP devant chez nous. Comment? Des courses poursuites devant chez nous. Ça vous amuse, ça, hein? Pourtant, vous avez déjà prévenu avec l'ancien quartier, maintenant, il faut faire sur le devant. De nouveau, pardon. Sans vouloir vous offenser, là, parce que c'est en train de m'énerver. Bien sûr, bah, je suis pas au courant de ce qui s'est passé, en tout cas. Personnellement, je m'amuse pas à aller de ce côté-là, depuis que vous y êtes. Bah, tu diras c'est qu'en papier que la prochaine fois, il repartira pas. Ok. Ce qui me dit quand même que... juin, juillet, août, septembre, en quasiment 3 mois, vous n'avez pas fait plus d'un million de dollars. À peu près, j'ai pas la compte en tête, mais c'est ça. Quelle est votre base de business? À la base, quand moi je suis arrivé, c'était les sacs, mais ça s'est bien calmé avec la recrudescence de flics. Et là maintenant, comment vous récupérez votre pognon? On achète de la drogue. Vous achetez de la drogue? Voilà. On garde le sale pour acheter des armes. D'accord, mais vous achetez de la drogue combien par semaine? Je veux pas vous mentir. Franchement, je veux pas vous mentir. Et je sais, je suis là très très que le soir en fait, et c'est pas moi qui m'en occupe. Parce que comme je m'y connais pas trop en drogue, c'est vrai que je n'ai jamais eu l'occasion de diriger un réseau de drogue. Mito un peu, hein. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je compte que si vous bossez correctement, mais je pense que vous bossez correctement parce que mes petits oiseaux vous voient souvent, vous devez faire à peu près 1 million à 1 million 2 par mois. Multiplié par 3 mois, on est à 3 600 000. Vous avez dépensé, certes, 1 million 100 000 chez moi. Allez, où sont passés les 2 millions 5 qui restent? C'est la bonne question. Dans les voitures, mais il faut blanchir. Il faut blanchir pour ça. D'où notre question, qui vous blanchit à combien? C'est vraiment pas, et le seul blanchiment qu'on a eu, franchement, c'est l'argent sale qu'on vous a donné. Et après, moi, le reste, les autres millions, je les ai pas vu passer en tout cas, si vous voulez. Bon, on a chopé la franchise. Ah ouais, complètement, là, je suis dans le bas de l'échelle, si vous voulez savoir. Donc la dope, vous l'achetez en sale? Ouais. Parfois, on la vend en sale. Ma question. La dope, vous l'achetez actuellement ou pas? Je vais répondre pour lui, il peut pas te répondre parce qu'on a dit qu'il veut pas le casser. Voilà, c'est ça, j'ai pas envie de prendre des balles dans tous les sens, d'accord. Si vous préférez. On a un deal, on a un arrangement, on lui fait la dope. En effet, ils vendent de la drogue. Ils blanchissent chez toi? Non, ils ne blanchissent pas. Je lui ai proposé 40%, ils ne blanchissent pas. À personne d'ailleurs. Mais par contre, nous on leur vend parfois en salle. On a un deal. Donc là, tu vas me dire, ils ont 2 millions chez eux en salle? Ah, je sais pas où est leur tune, gros. Mais moi, je pense qu'ils ont dit la vie d'un arbre. J'ai regardé ma compta, je sais qu'on a blanchi les balas le 27 juillet. Okay, à 40%. Ok. 27 juillet, ça fait 2 mois quand même. Ouais, ça c'est. On a gagné beaucoup de thunes, non? Non, ça fait quand même plein en ce moment. Ça fait 15 jours. Ça n'empêche pas qu'elle est où la thune? Après, si elle est chez eux, moi je veux bien les vérifier.
Vous êtes combien chez les Balas? On est 8. Tu fais 800 par jour? Oh, on n'écoule pas tout ça, je vous rassure. Ouais, on va dire 400. On essaye entre 200 et 400, ouais. Bon, il faudra qu'on demande au chef. Petit Balas, vous pouvez y aller. Merci bien, monsieur. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y a une couille dans le potage. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a une couille dans le potage. Oui. Il n'y a pas qu'une couille. Je vous cache pas que nous, l'argent des Balas, c'est toujours posé la question de où il avait, en fait. Hein. Surtout qu'à l'époque, je n'achetais pas de dope. Hein. Donc moi, je lui ai payé 1 100 000. Pas de soucis. Disons que là, je pense que là, 1 000 000 de salles qu'ils vous ont payé, monsieur Miguel, c'est tout ce qu'ils ont généré avec la dope qu'on leur a vendue. Hein. Bon, ouais. Pendant ce temps-là, il y avait Vagos numéro 3 qui expliquait à numéro 2 ce qui s'est passé. On vous a coupé, allez-y. Bah moi, je pense qu'il a... Je sais pas, il m'a expliqué, il a fait le tour, je pense, de ce qu'il a entendu, en tout cas. Ah, je sais pas, apparemment, il avait pas tous les éléments quand Taylor posait des questions. Je sais pas quelles étaient les questions, alors. Bah, il t'a pas raconté? Bah, non. Ah. Vagos numéro 3, c'est quoi la question? C'est la question que je suis en train de me poser. Ah. C'est pour ça qu'on invite que les chefs en général. Les autres, ils sont débiles. Vous parlez de quoi? Comme quoi vous avez tapé dessus quand on était dans l'eau? Ok. Qu'est-ce que j'ai entendu aussi que vous êtes bien vanté à tout le monde, à ce qui paraît? Qui était au courant, ici? Qui nous avait tiré dessus quand on était dans l'eau? Moi, je l'étais. Ok. Mais pas par les Vagos, initialement. Les EMS. Les EMS. Ah, les mêmes qui donnent les... Ils parlent toujours, Ils parlent beaucoup, hein. C'est pour ça que j'ai dû en planter un cette semaine et que j'ai dû aller voir la directrice pour dire que maintenant ça suffit. Donc elle est voir la police. Nous, on l'était. Mais c'est vrai que j'en ai parlé à Pablo, mais je m'en suis pas vanté. Par contre, pour le coup, c'est vrai qu'il s'en est pas vanté. Ok. Peut-être la seule chose dont je serais d'accord avec lui, mais il s'en est pas vanté. C'est plus nous avertir de ce qui se passait en ville, à vrai dire. Il m'a demandé ce qui se passait, pourquoi je commandais des armes, j'ai répondu. C'est vrai que c'était pas commun. Et que... On aime bien savoir ce qui se passe. Parce que les armes, parce que vous faites des armes... On s'en fout, hein. Nous on voit qu'en billets. En tout cas, on est tous d'accord pour dire que les EMS, ils parlent un peu trop. Ça, c'est sûr. Ouais, c'est vrai que les EMS, c'est vrai. Oui, parce que la question, c'était à propos du Black Cat. En fait, au Black Cat, j'ai entendu dire que vous peignez qu'on était trop méchant et que vous voulez pas discuter. Que alors qu'on a trop discuté. Méchant et qu'on veut pas discuter. Oui, on a discuté, oui. C'est pour ça que j'ai pas tout compris, moi. Il me semble jamais avoir utilisé le mot trop méchant. Donc pour vous, la situation actuelle, ça va? Non, la situation actuelle ne va pas, mais je vois pas le rapport avec cette personne du Black Cat. Bah, je sais pas, moi j'ai entendu ça, donc. Il m'a expliqué que notre guerre, ça vous faisait un peu chier. Peut-être passer plus de temps à s'occuper de son cul, à aider à compter aux civils, aux médecins, aux policiers ou à n'importe quel facteur que vous croisez les business des autres, ce qui s'y passe ou ce qu'ils y font. Ça, c'est une tendance à me faire chier. Parce que le médecin, il nous a clairement appelé, il nous a clairement dit que c'est un jaune qui est venu le voir volontairement, il lui a dit. C'est pas un bruit de couloir, il a entendu ça autour d'un café ou rien, c'est carrément le gars qui est venu le voir et lui a dit. Je me renseignerai sur le sujet. Là pour le moment, je peux pas t'en dire plus. Vous voulez qu'on négocie de vous tout le monde ou on se retrouve après entre nous? Je pense à vous regarder. On peut se retrouver entre nous. Je pense pas que les autres soient intéressés par le blanchiment. Non, mais si des fois vous voulez être en sécurité, on sait jamais. On peut très bien discuter, je pense, sans forcément que ça parte en couille. Ok, donc on se verra après. Ok. Quelqu'un a d'autres questions? Donc c'est bien. Ah, bien. On n'a rien avancé. On a juste su qu'il y avait quelqu'un qui avait blanchi à 25%. Bon, il a pris une balle, mais c'est tout. Non, il faut une répercussion. Oui, c'est bien ce que je me disais. Ça me va, mais on va encore dire que j'ai fait de la merde. Non. Non, je pensais que c'était que la première partie. C'est simple. Ça, qu'est-ce qu'on fait? On va faire une compensation pour l'intégralité des 5 autres groupes, c'est tout. Je suis d'accord. Proposez, Ragos. Je sais pas quoi vous proposer là dans l'immédiat, mais
Vous avez de l'argent en stock du coup? On en a un petit peu, oui. Je vais pas te demander de faire des trucs de blanchiment, ça va me baiser ma gueule, donc je préférerais que tu donnes un petit peu d'argent à chacun. Il est l'air beau votre 4x4 quand même. Tu parles du 6-6 je suppose? Ouais. On va pas les couper en 5 les 4x4. J'en ai le dire. Moi j'aimerais bien, mais on fait quoi, hein? Lundi Mano, mardi Vert, mercredi Lost. Vous faites combien à peu près à la semaine? On va dire sur un mois. Sur un mois? Ouais, en blanchissant à 40, hein, pas à 25. Bah, en blanchiment à 40, on en fait quasiment aucun en fait. Le seul blanchiment, le dernier blanchiment que j'ai fait à 40%, c'était pour Phoenix et c'était Sarah qui me l'a fait. Après, si tous les blanchisseurs décident que vous baissez les taux, vous baissez les taux. Moi, je m'en bats les couilles. Mais il faut une compensation sur le fait que vous ayez baisé tout le monde. Je peux te donner exactement ce combien on a gagné grâce à cette différence. Ça va être 10 000 dollars ça... Non, c'est pas 10 000 dollars, c'est quand même. C'est de l'ordre de 250 000. Eh ben, 250 000 chacun pendant un mois, c'est bien. Oui, 200... mais oui. 250 000 par groupe? 200 ou 100? Soyez entre les deux. 100 000 dollars par groupe. 100 000, c'est ok. Par semaine pendant un mois. Par semaine? Mmh. C'est 500 000 à lâcher par semaine. C'est compliqué pendant un mois. Il va falloir bosser, les gars. Après, soit vous y arrivez, soit vous passez la main. Comme vous voulez. On va le faire s'il faut le faire. Ah bah nickel. Tout le monde est d'accord? La prochaine fois, vous demandez à voir les conseils unis et vous dites on demande à modifier, c'est plus possible pour nous, on vous l'annonce, à partir d'aujourd'hui, on arrête, nous, on va chez A, ce qu'on veut. Mais vous baisez pas à tous les autres. Donc on parle là-dessus? On parle là-dessus. C'est un deal aussi, alors. On valide. Dans les 6 groupes. Ok pour la Manon. C'est ok pour les Verts. Ok pour les États également. C'est le Séoul? Oui. Et Vagos du coup c'est ok. Et pour nous aussi. Nickel. Je vous offre ma première semaine. Gardez les 100 000. Ça payera les frais des dentistes. Merci Miguel. Du coup on commence à partir de quand? Lundi. Semaine. On est mardi. Bah, lundi de la semaine prochaine. On commence à partir de la semaine prochaine? Bah oui. Ok. Vous avez le temps de travailler. Et là, c'était les Vagos, vous souhaitez rester ici pour discuter? Oh, s'ils veulent. Ouais, on peut discuter. On peut vous laisser tranquillement ici. Alors, on vous souhaite une bonne soirée, bon courage. Bonne soirée à vous. Allez, merci. Bonne soirée, monsieur. Merci. Seigneur, comment ça va? Ça va et toi? Impeccable. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus rigolo que ce soit moi qui lui colle une balle plutôt que toi. On aurait pu dire que comme tu étais en guerre avec lui... C'est pour ça, ça m'a bien arrangé. Eh bien sûr, je sais que ça t'a arrangé maintenant. J'ai trouvé ça beaucoup plus rigolo. Ouais. J'ai bien aimé tes petits messages qui disaient « Arrête tes conneries, Miguel !» Mais c'est des choses qui arrivent. J'ai demandé aux Vagos qu'ils remontent leur taux. Mais vous restez à 15 chez nous. Ah, c'est ça. Impeccable. Comme ça, c'est ok. C'est là. Que j'y passe d'abord par le toit plutôt qu'autre chose. Je me demande si d'ailleurs on n'a pas un peu des sous, mais bon, rien de très pressé. Bon, on est dispo. Hein. Ouais, je vois avec Pablo et l'appel. C'est là. Vas-y. Pas de soucis. Merci à toi, bonne soirée. Allez, à plus. Tu sais pas nager? Bah, s'il vient, t'inquiète, il te tient. C'est faisable, tout beau. Allez, viens, mon chien. Allez. Allez, doucement, tu te mets dans l'eau, tu vas voir, c'est inné chez tous les animaux, vous savez nager. Si. Allez, viens. Viens, tout beau? Oh merde! Tout le monde! Il est sous l'eau! Tout le monde! Je te tiens, tout le monde! Je t'ai! Tout le monde, reste avec moi! Respire! Oh merde, les cons! C'est bon! Respire, mon dieu, tout le monde! Respire! Allez, respire! Sors l'eau! Respire! Allez! C'est pour éclater l'eau de ton poumon! T'inquiète pas! Respire, tout le monde! Allez! 1, 2, 3, 4! C'est bon! Il respire. Ouh! On a eu chaud, Turbo. Bon, note à moi-même, n'est plus faire Turbo se baigner, c'est pas nager. Il est nul à la natation.
Bye. Comment ça va, Smoke, mon vieil ami? Toujours mort. C'est normal. Et me voici. Vous me ruinez, je suis en slip maintenant. Oui, mais quel beau slip. Ok, c'est tout bon. Impeccable. Qu'est-ce que vous foutez à poil, monsieur Collins? Je suis pas à poil, je suis en slip déjà. Et parce qu'il m'a vraiment foutu un slip. Il est horrible. En achetant son buggy, je suis en slip maintenant. Oui, les vêtements sont dans la valise, je les ramène avec moi. Voilà, j'ai tout donné. Il me manquait 15 balles et j'ai donné les vêtements, monsieur Morel. Je vois, d'accord. Vous savez, c'est la... Colin Saint-Paul Expo, ça marche, ça va, ça vient. Vous connaissez ma femme, commandante? Eh ben non, du coup, je vous présente ma femme, Kim Collins. Enfin, Kim Dwight, voilà, on commence. Et Kim Dwight Collins. Kim, enchanté, je te présente le commandant Osborne. Bonsoir, enchanté. Monsieur Collins, du coup, vous pouvez vérifier Mike, pour t'as pas l'impression de voir le double? Oui. C'est bien votre nom? Tu vois double. Tu vois double, on est d'accord. Tu comprends pourquoi des fois j'ai quand même ma femme me manque. J'arrive, je vais voir si j'ai le buggy, c'est bon. J'arrive. Elle est déjà partie? Je me suis bien fait enculer par les œufs, mais ça n'est pas qu'à côté. Et tu m'as dit que tu voulais rencontrer, alors j'étais présent. Je suis au camp. Ah non, là tu fais la tête, je te connais. Pourquoi tu fais la tête? Chérie, non. Allez, ah! Non mais arrête de faire la gueule! D'ailleurs, c'est ma paria, qu'est-ce que tu fais avec la paria? Chérie, pourquoi tu fais la tête? Rien. Non mais dis-moi, je te connais, en fait, tu vas faire la tête pendant des années, dis-moi pourquoi tu fais la tête. T'avais besoin de préciser qu'on se ressemble encore une fois de plus! Une goutte d'eau. Ah, je suis désolé, chérie, je suis désolé. Je manquais de tact et je m'excuse. T'as de la chance, côté de mon PDP, son chapenté. D'accord. Oh Miguel! Ah, ça va-t-il, mon Miguel? Mais non, pourquoi j'apprends que tu t'es pointé dans cette ville? Ben, et tu commences par prendre du pognon. Oh Dieu, j'ai pris du pognon, non? On me l'a donné? Non, je ne l'ai pas donné, non. Non, Bernard. Commencez par Bernard. Putain de merde. On peut pas te la faire à toi, je te dis. Non, c'est baisé, Bernard. Bernard, il va encore t'arriver des emmerdes. Non, attends. Non, je suis pas là pour faire des emmerdes, vois-tu. Je suis là pour ouvrir l'unicorn s'il y a une possibilité d'entreprise, mais Kim me dit que c'est bien plus compliqué que dans le temps. Ah oui, c'est bien plus compliqué que dans le temps. C'est plus compliqué que dans le temps. Pour information, nous, unicorn. Non, mais surtout que dans le temps, tu vois, tu te rappelles, fallait juste graisser la pâte de mer et puis c'était réglé. Là, maintenant, faut faire du papier, quoi, comme dit. Il faut faire des demandes d'ouverture et tout ça, et tous les bordels, et oui, c'est compliqué. Et puis après, il faut t'assurer d'avoir suffisamment de salariés pour que ça tourne, sinon c'est pas possible, on te le prend. Oh nom de Dieu, mais qu'est-ce que c'est cette affaire? Moi encore, les filles, je sais m'en servir sur les bars. Mais qu'elles soient derrière le bar, ça, je sais pas faire. Va falloir que je fasse du recrutement. C'est exactement ça. Oh, quel enfer. Oh mon Dieu. Déjà, si l'administratif nous tue pas, on n'est-il pas arrivé encore? Exactement. C'est pour ça que moi, j'ai fait pas d'administratif. Donc alors toi-même, tu connais bien des solutions pour pallier à ça, alors? Oui, j'ai mis des flingues sous la tête de tout le monde et je dis on fait comme ça! Non, parce qu'il aimerait l'ouvrir sans paperasse. Ah! Mais ouais, je vais pas aller mettre un flingue sur la tête et de gouvernement, vois-tu, je vais avoir des problèmes! Non, alors faut que tu l'ouvres légalement. Hein? Les problèmes, c'est qu'actuellement, c'est un peu une zone des non-droits pour tous les gangs. C'est moi, voilà. Est-ce que t'as les 25 000 balles que Pablo t'a filé? Enfin, t'a prêté? Non, on lui a pas prêté. Ah non, il n'a rien prêté, Pablo, c'est... Il a travaillé pour les états. Ah oui, c'est Vigo. Moi, c'est Vigo qui m'a filé ça. C'est ça, c'est monsieur Vigo qui l'a payé. J'ai déjà mal à la tête. C'est un chouette camarade, Vigo. Et d'ailleurs, il m'a proposé d'aller voir une plage avec des gens pas très très... vois-tu, mais bon, bref, ça, on verra ça plus tard. Hein. Bernard, c'est qui, le monsieur? Ah, c'est Jim. Jim. Bon. T'as vu, Miguel, il y a Jim aussi, il est resté rien pour nous. Il manque plus que GG. Jimmy, comment ça va, mon petit Jim? Miguel, c'est toi? Oui, vale. Mais t'as vieilli? Oui, alors... j'ai pris 6 ans dans la gueule, merci Jim, ça fait toujours plaisir. Moi, je l'ai pas fait celle-là. Mais non, c'est toujours la vérité. Hein. Oui, je sais, Jim. Attends, comment moi, ça va, mon petit Jim? Tu sais mettre à l'aise les gens. Bah écoute, ça va bien, mais... Il manque plus que GA et on est bon. Ouais, bah je sais pas, justement, on est revenu un petit peu suite au message que tu m'avais laissé pour retrouver papy, mais... Oui, c'est moi. Bah, tu vois, le contact que nous avez filé, je sais pas, mais la source, elle était pas très fiable. Le mec, il nous a arnaqué 25 000 balles, tu vois. Ah oui, c'est il est vieux, vous a arnaqué 25 000 balles? Ouais. Ouais.
on avait taffé, tu vois, et c'était une espèce de SDF et tout, et Ah, tu peux me le dire, c'est un clochard. Ouais, et puis ils ont donné sur une piste, et puis en fait, il y avait rien, donc je pense que c'était un moyen, tu vois, mais bah, tant pis. Hein. Bon, je l'ai fait trouver, c'est vieux, faire. On va s'en occuper. C'est gentil, bah, si on peut t'aider sur quoi que ce soit, tu le dis. C'est possible. Vous avez fait du boulot? Ah bah, nous, on est-y ouvert avec Jim, hein, Jim? Potentiellement, ouais. Bon, ce qui est possible, c'est que si vous trouvez, si vous m'amenez des stacks des Super Edge, je vous paierai comme au bon vieux temps. Oh bah, eh, c'est avec Jim, c'est notre spécialité, les Super Edge. Tu te rappelles, Jim, l'autre jour, là? Ah bah ouais, on était des vrais cambrioleurs, au moins 8 Super Edge, on a dû faire la dernière fois. J'imagine que oui, on n'est pas à l'âge d'or des lieutenants Cook. Ah, non. Effectivement. Ça, pas du tout, expliqué. C'est pas la même chose du tout. C'est vénère dans cette ville. Hein. Alors, ça dépend, parce que quand c'est avec moi et qu'ils me voient, souvent, ils font... Oh non, 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 pitié, au secours! Et pas de quoi là. Ah ouais? Bon, ils ont une forte tendance à pas m'aimer. Ou à m'aimer trop fort, je sais pas. Et c'est incroyable, toi, en 6 ans, t'as gardé la même réputation alors qu'aujourd'hui, nous, les policiers nous pisseraient presque dessus, dis donc. Ah, la même réputation, pas vraiment. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, ça y est, il pleut plus. Elle est dans l'augmentation ou. Elle est différente. Oui, parce que c'est vrai. Alors, Kim nous expliquait ça, t'es plus jaune d'ailleurs. Non, quand je me suis. J'ai 6 ans dans les commandes. Bah oui, je sais bien qu'Ima nous a un peu raconté ton histoire quand même, qu'elle a fait. On n'était pas du tout au courant de ça. C'est pas. Nous, on n'était plus en contact avec eux. Hein. Moi, j'étais même pas au courant que ça t'était arrivé. Hein. Ah bah nous, on est tombés des nues, crois-moi bien. Ah, j'aurais pas laissé faire ça hein, si j'avais su, hein, je t'aurais prévenu. Et quand je me suis réveillé, il n'y avait plus rien. Et donc, t'as dû tout reconstruire avec tes deux mains? J'ai cherché partout. J'ai cherché ma femme, j'ai cherché les Vagos. Et j'ai même cherché d'aller chercher Foubou, ton ancien. Mm-hmm. Personne. Bah lui, c'est pas une grande perte pour la ville, hein, je te le dis. Hein. Monopoly, ouais, c'est bon. Il me faisait rigoler. Oui, il y a toujours des visages un peu connus qu'on aime bien voir. Monsieur Monopoly, c'est vrai que c'était quand même un petit moment de festif quand on le voyait. Et puis on avait toujours envie de le braquer, vois-tu. Et après, j'ai dû monter la pente. J'ai dû monter un business à zéro. Tranquillement, j'ai bossé avec des mecs, ils se sont foutus de moi, j'ai dû les tuer. Ah d'accord, mais donc là dans ton business, tu me dis que t'es parti de zéro, là t'es à combien, 22, 23 J'ai fini par acheter juste un petit Lopin d'Etel avec une tiny house dessus. Alors attends, ton petit Lopin de terre, c'est là où Kim nous a accueillis avec tout le monde là La grande baraque, enfin nous on n'est pas rentré à l'intérieur, hein, rassure-toi, hein, mais on a vu de l'extérieur le portail, c'est l'air d'être une baraque de riche. Si vous voulez bosser, c'est pas un souci, je vais prendre vos numéros et vous m'appelez. Ah bah vas-y, ouais, mon Miguel. Bah allez, à tout à l'heure. Merci, mes petits dos. Je vous explique que j'ai des goûts devant la villa qui me connaissait. Oui, Wilson, comment ça va? Comment ça va, vous? Impeccable. Je voulais savoir à combien vous prenez les sacs des supérettes. Ok. Chez vous, on peut les reprendre à 110. Non, non, non. 110, c'est pas pour moi directement, c'est pour quelqu'un que j'ai connu, qui arrive en ville et qui a besoin de se lancer. D'accord, parce que là j'ai. Je crois que j'ai rencontré cette personne, parce qu'il y a un monsieur qui est venu, qui travaille un peu pour nous en ce moment, c'est Jim Westwood. Si, Jim. Et il m'a parlé de toi. Ah, Jimmy, j'ai bien connu Jimmy. Il était avec Bernard, j'ai dit que je prenais les sacs. L'idée c'est pas de me faire des sous forcément dessus, tu me dis à combien, et puis. Je fais juste la transition entre les deux. Ou je l'envoie vers toi, peu importe. Ouais, bah tu peux l'envoyer, puis on verra avec lui. Mais il bosse déjà avec pour nous, donc je pense qu'on peut lui faire un petit truc. Pas de soucis. Bah allez, il bosse pour vous, c'est-à-dire? Bah en fait, il va chercher quelques véhicules pour nous. Mais quoi, les derniers jours? Ouais, ouais, les deux derniers jours, là, il a bien travaillé en plus. Ok, pas de soucis. C'est bon, j'aide. Après, c'est juste une petite main, il vient, il prend de l'argent, il repart. Bien sûr, pas de soucis. Bah allez, à tout à l'heure. À plus. Et téléphone là, Niba. Ça bosse. Désolé, ça va? Ça va bien? Oh mais putain, c'est Miguel, bah merde! Bonsoir. Quel plaisir de tomber sur vous au pire moment. Ça va, c'est Miguel, vous avez pas trop mal? Ce Miguel, ça n'est pas en colère, c'est un accident de la route. Ce Miguel. Allez, filez. Bonne soirée. Désolé, ce Miguel, merci beaucoup. Bonne soirée, monsieur Miguel. Encore désolé. Allo Jim. Ouais. Alors comme ça on bosse bien pour les Lost. Bah tu sais,
Moi, je suis oui, tu sais, je sais, oui. Oui. Et du coup, bah, tu me connais. Hein. Il paraît que t'es un très bon récupérateur des voitures. Exactement. Pas de soucis. Tu fais 40 000 balles en l'espace de 2 jours. Ah, 40 000 en 2 jours. Ouais. Ah oui, c'est plutôt pas mal. Ah bah tu vois, moi j'ai jamais chômé. Hein. Intéressant. Peut-être de ça que je vais prendre un bon prix. Et tu sais, comme d'habitude, je sais tout. Ouais, je vois ça, mais c'est un truc de ouf. Miguel n'a pas changé. T'as des espions un petit peu partout, non? L'information, c'est important, surtout quand tu fais peur aux gens. D'accord. Ok. Moi non, ça va. Enfin, à moins que t'aies changé, mais à l'époque, moi je t'aimais bien. Bon, hein. Jim, t'as toujours été correct avec moi. Et au-delà, j'ai toujours une envie de... Un peu comme un fils. Bah, ça me touche beaucoup. Bon, après, j'ai jamais vraiment eu de père, tu sais. C'est ça qui est compliqué. Avoir une vraie famille. J'ai eu un papy et un oncle, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bah, allez. Bon, pas de soucis. À tout à l'heure, Jimmy. À tout à l'heure. Bon, j'ai cherché un moyen de valoriser au mieux. Parce que la question, on a l'avance et on a trop d'avance. Non, on n'a jamais trop. Mais. Non, on a... parce que demain, on a une merde. Si on est d'accord, mais elle va continuer de monter. Je t'explique mon idée. Mais je cherche, c'est une réflexion. Basculer. Si tu veux aussi, je te suis. Tous les. Et. Toutes les commandes des armes en only caisse noire. Dès qu'il y a des grosses commandes, LPG. Non, LPG, on ne vend pas. Mais AK-47, Uzi, munitions, tout va en caisse noire. On ne paye plus personne. Et donc, on paye les gars beaucoup plus au mérite, c'est-à-dire uniquement sur la récupération des caisses, style, il y a 10 ou 20% qui va à la caisse noire, non, et le reste, c'est divisé par 12. Le problème, c'est qu'on ne vend pas énormément, hormis en temps de guerre. Et j'ai l'impression que le temps de guerre, il est en train de se calmer. Oui, mais quand on vend pour 2 millions, 3 millions. Donc c'est que du caisse noire. J'ai rarement vu 2 ou 3 millions bah de Bah si, ventes. 1 million des Ballas, 1 million quasiment chez ouais, les Verts. 1 million sur combien de temps, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais sur ces 1 million, il y a 50% qui sont moi, ce qui m'emmerde, c'est qu'aujourd'hui, nos gars, en question des principes, ils gagnent moins qu'un putain de salarié du Bénis. Bah depuis quand on fait ça pour l'argent, Miguel? C'est une question, hein. Si les gars veulent être payés plus, on paye plus, je m'en bats les couilles, mais depuis quand on fait ça pour l'argent? C'est ça la question. S'il y en a un ici qui est là pour l'argent, il dégage. Je préfère être clair. Honnêtement, c'est pas la raison pour laquelle j'ai voulu rejoindre la Mano. T'es censé mettre une pression. Si je voulais mettre une pression, je te serais déjà découpé en deux, alors tu fermes ta gueule. Et t'arrêtes de me prendre de haut parce que je peux t'assurer que là, ici, maintenant et tout de suite, je vais te faire passer l'envie de me parler comme ça. Je sais pas pourquoi tu t'énerves, Miguel. On discute. On va discuter avec ma main dans ta gueule. Je te fais. Je vais mettre. Une explication? Et tu montes en mode c'est toi les patrons. Je vais te faire descendre très très vite, Pablo. Mais je pense que t'as pas compris. Alors ta gueule. C'est pas une putain de démocratie. Mais après, tu m'as dit ton point de vue, je t'ai dit le mien. Si tu c'est pas un point de vue. Ça, point. Je t'explique une réflexion. Et tu te braques en mode non, on fait comme j'ai dit. Ta gueule. Mais bien sûr que non. Tu fermes ta gueule. Merde alors! Une question des principes! C'est ce que je te dis, Miguel. Si tu veux qu'on paye plus, on paye plus. Je m'en fous. C'est pas le principe. Le seul truc que je suis en train d'essayer de te dire, c'est que enfin, pour mon point de vue, et tu le sais très bien, que le compte de Pablo est uniquement caisse noire. Moi, je suis pas là pour l'argent. Tu veux qu'on paye plus? On paye plus. Je m'en fous. Ah, peut-être que tu peux me parler un peu mieux quand tu me dis on fait comme ça et puis c'est tout. Mais c'est toi qui l'as mal pris, Miguel. C'était pas le but, tu le sais. Enfin, je pense que tu le sais. Après, je sais pas comment s'est passé la journée, je mets pas ça sur le dos de la journée, mais je pense que ce que j'essaie de dire a été mal compris. Parce que si vraiment j'aurais voulu te dire merde, je t'aurais dit merde, tu me connais.
t'as un franc-parler. Le seul truc que je suis en train de te dire, c'est qu'il faut pas non plus qu'on habitue les gars à être là pour l'argent. C'est le seul truc que je crains. On a une force aujourd'hui, c'est d'avoir l'esprit de famille. Si demain on motive les gars à bosser juste pour avoir de l'argent, on perdra ça. Maintenant, je t'expose mon point de vue. Hein. T'es numéro 1, je suis numéro 2. Tu m'exposes ton point de vue. Je te dis comment moi je perçois les choses. Si tu veux qu'on aille dans ton sens, on va dans ton sens. Mais si dans X semaines, on a un souci parce qu'il y a un gars qui est là que pour l'argent, je serai prévenu. Il y a une différence entre un gars qui est là que pour l'argent et trouver les bons compromis pour que les gars soient bien. C'est pas la même. Moi, ce que je vois, c'est les chiffres. Je suis pas convaincu, mais comme tu dis, toi qui gère. Si tu veux qu'on aille dans ce sens, on va dans ce sens. Mais je suis pas convaincu. Et encore une fois, je pense que tu t'emballes un peu vite. Mais si tu l'avais réellement mal pris, je pense que je pourrais plus te parler à l'heure actuelle. Balé. Non, bon, il faut qu'on voit le système. Je sais pas, je vais réfléchir. Mais tes idées sont pas bêtes. Et il me connaît bien les Pablos. Bon.